à tous CDS avec quelques fifous de la SS117 pour une dernière vidéo sur notre serveur Minecraft. Bonjour. Salut. Ouais, yo. Salut. Donc là en fait on est sur Fort Boissard, la relève de Fort Tocard, entièrement faite en bois. Donc là je me suis mis en god mode et en tout ce que vous voulez, donc juste pour montrer un peu ce que l'on a fait. Ah c'est cool, vous avez pas cassé mon arène de combat qui a pas... Non, on l'a juste isolée parce qu'elle était trop moche. Ouais. Oh, c'est pas si moche que ça quand même, si attends. Ah il y a quand même... Oui effectivement c'est bien isolé. En fait, c'est bon genre de ça a marché. On peut même pas... Ah si on peut... Oh, c'est pas si moche que ça quand même quand on regarde. Bon allez. Ouais, ça va. Donc voilà Fort Boissard avec un grand lac au milieu, et donc tout à l'heure je vous montrais le bateau. Alors, je suis en god mode exceptionnellement, c'est juste pour montrer, après on va aller taper du dragon. Donc bah ça manque un peu de canon et ça manque De voiles, de mains, de coffre. Non, ça c'est des canons. Enfin ouais les canons, j'ai déjà fait les prototypes de canons je pense. Mais j'hésite à... C'est... Bah disons que... On peut faire excellemment bien avec des cubes. Alors ouais, donc là on est en version 1.3.1 et bon la fenêtre d'admin elle a un petit peu changé, je suis un peu perdu. Tout ce qui est en respawn, tout ce qui est en transport, tout ce qui est en misc, building. Tu peux même accéder à ton inventaire même si tu es en mode créatif maintenant. Et tiens, tu veux l'appeler comment ton bateau? Tu peux accéder à ton inventaire même quand tu es en mode créatif. Ouais, ouais ton inventaire survival. Ah oui, ouais. Jean, ouais, il l'appelle comment ton bateau? Moby Dick. Non, l'ombre dorée, je pensais à ça vu qu'il est en fait en bois de sapin et puis un peu en or à l'arrière. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'autres couleurs, mais bon, enfin, je ne sais même pas quoi faire les voiles. C'est un très beau bateau, c'est un très beau fort. Bon, moi je suis un peu malade, désolé, j'ai la voix qui est complètement prise. On était parti pour aller taper du dragon. Mais par contre l'entrée de... Elle est où maintenant l'entrée? Ah, il faut passer par... C'est un peu plus spécial, je vais te montrer. Allez, tu me téléportes Jordo s'il te plaît parce que là je suis perdu. Ouais. Attends, j'étais dans le Nether puis quand je suis revenu... Bon après on se fait ça sérieux, hein. Il y en a un qui vole là-haut. Oui, moi je volais, c'est ça, pour aller chercher des armes. Et tout. Oui. Putain, t'as un casque enchanté, enfoiré. Oh, ça se voit maintenant? Ouais, il est fou. Je suis l'épée qui est enchantée. Ah, vous avez fait un portail ici aussi. Ah, effectivement, ça change pas mal l'entrée. Putain, ouais. C'est original maintenant la sortie. Voilà, ça j'avais fait, j'avais montré vite fait dans la vidéo de présentation de la soirée. Montrer un peu comment ça se passait, la grande descente, après l'accès au rail, s'ils y sont toujours. Ah ouais, impeccable. Il faudrait juste avoir la... Ah mais c'est quoi, il y a un autre chemin maintenant? C'est quoi ce chemin à gauche? C'est... Ouais, l'île aux champignons, je ne sais quoi. Le biome des champignons. Oui, c'est, ouais, c'est le biome champignons. Ok. Ouais, si tu veux aller, bonne chance, hein, 5000 blocs. Non, ça ira, merci. 6000. Non, je pense que... Alors par contre, je suis un peu paumé. Alors, le stuff, hein, je suis en train de chercher un coffre. Alors, où est-ce qu'ils ont foutu ça? Putain, c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver maintenant. Ah, voilà, ils ont mis ça dans décoration. Ok. S'ils veulent. Bah oui, écoute. Je vais mettre des chemins, des... Comment? Des minecarts. Bon, le coffre ici. Ah oui, effectivement, t'as accès à ton stuff. Donc j'avais mes anciens minecarts que j'avais sur moi, plus ceux que je me suis donné en god. D'accord. Ah, c'est un peu bizarre quand même. C'est presque moins pratique qu'avant, mais bon. Bon, on se retrouve tous là, et puis on y va en carte. On se prépare aussi niveau armement. Tiens, je vais enlever le game mode. C'est quoi déjà la commande? Game mode 0, c'est ça? Tiens, tu veux voir leur nouveauté complètement stupide. Essaye de poser un bloc de bois brut, par exemple. C'est le plus flagrant. Mode de survie pour DS. Donc là, normalement, je suis plus en mode survie. Ouais, c'est ça. Et killer. Attends, qui est-ce qui est encore en god mode là? Moi. Je vais m'enlever aussi. Là, t'es pas connecté. Si t'es connecté. Game mode 0, ça permet de repasser en mode normal, c'est ça? Sans même. Oh non, mais je vais le faire, Nias.
Et ensuite, parce que moi je crois que je suis immortel encore. Je suis pas sûr. Voilà, je vais faire pour toi. On va faire le test. Ouais, tu vois, voilà. Non. Ah là, t'es en créatif, donc t'étais bien en survival. Bah non, parce qu'il m'a frappé, quelle heure, ça m'a rien fait. Est-ce que je viens de te remettre en créatif? Là, t'es en survie. Vas-y, frappe-moi, ceci. Je vais te foutre le feu, mais bon. Ah ouais, non, mais... Ouais, c'est bon, je meurs. Voilà, je crois que je suis en train de brûler. Ok, donc là, je suis en mode normal, j'ai juste une tenue de cuir. Putain, c'est un peu la dèche, quoi. Mais j'ai plein de diamants si tu veux. De nourriture aussi, j'ai pas pris de nourriture. Ouais, j'ai ouais. pas de nourriture. On a pas un four en coin. On a de la pierre. Tiens, Killer, t'as de la pierre pour faire un four vite off, hein, histoire qu'on fasse cramer de la viande et qu'on parte. Non, j'ai rien. Non. Attends, je vais aller chercher. Bon, au pire, je pose toutes les conneries que j'avais sur moi là, je les pose dans le four, enfin dans le coffre, et puis vous prenez ce qui vous intéresse. Non, mon épée, je la garde. Quoique j'en ai déjà une. Il nous faut un archer. Il nous faut au moins deux épéistes, il nous faut des citrouilles. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre encore? Ah oui, il nous faut des blocs de terre ou des blocs de n'importe quoi pour monter en haut des tours. Mm-hmm. Je prends de la pierre ou du sable plutôt? Ce qui te semble le plus pratique, le sable je pense c'est plus pratique. Ouais. Parce qu'avec une pelle ça va très vite. Normal qu'on puisse pas poser de TNT en mode survival. Ah, quelqu'un sait à quoi ça sert le chaudron? J'ai toujours pas compris. Remplir d'eau, mais non, c'est pour mettre dans le nether en fait. Ah, pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau dans le nether, d'accord. Bon, si vous avez du stuff, armure à me prêter, Moi j'ai ce qu'il faut. Moi j'ai enchanté, même si vous voulez. Bah vas-y, balance. C'est par contre, tu vois là où t'as ton truc avec tous les coffres au spawn. Et le petit bateau, tu vois le petit bateau que j'ai fait avec la voile rouge, en fait c'est à côté. D'accord, bon, j'ai coupé la vidéo. Pas. Alors voilà, moi je suis revenu chercher du stuff avant de partir. Où es-tu? Je suis à la maison, je sais pas, tu sais, le premier château qu'on avait fait, l'espèce de petite tourelle. Ah oui. Donc je suis allé chercher. Tu me vois où je suis? Je suis là. Non, là je te vois pas. J'ai fait un tour en sable. J'ai récupéré du. Je suis en face de toi en fait, je suis. Accroche survivor. Bah écoute, oui, Jean. Donc qu'est-ce qui fait l'archer? Qu'est-ce qui fait l'épéiste Moi je fais le bûcheron. Mais... Il nous en faut au moins un qui reste en bas qui protège le constructeur, celui qui va. Bah je peux faire ça, ouais. Mais il faudra juste une citrouille alors. Ah, il y a un archer qui est enchanté là. Un arc. Enchanté, oui. Ouais. Quelqu'un a une citrouille aussi pour moi pour pas que je me fasse massacrer par les Enderman? Citrouille, est-ce qu'on en a encore? J'ai pas l'impression. Ah mais on avait pas fait une culture de citrouille justement, elle a disparu. Elle a dû être éradiquée quand... Tu l'as pas replanté? Il y a quelqu'un qui nous a volé. Ouais non, je crois que justement quand on a décidé de faire l'entrée, on a enlevé la culture de citrouille. Pumpkin seed. Pumpkin c'est... La citrouille, oui. Citrouille. Hein. Je suis étonné quand on est pas en rab d'habitude, on est toujours... Ah si, il y en a deux. Ah bah c'est bon. Enfin c'est bon, il en faut une pour chacun quoi. Est-ce qu'on a des pelles? Non, pas de pelles. Ah, je vais te donner un peu de stuff. Donc, qu'est-ce qui fait les tours de sable pour aller péter éventuellement si vous n'y arrivez pas à l'art? Moi, j'ai pas de matière première. J'ai pris les matières premières et puis je peux défendre ceux qui sont en bas. Bah, je vous donnerai s'il faut. Moi, je peux attaquer, défendre, faire tout ce que vous voulez. Je peux même faire des explosions. Donc qui est notre archer? Moi. Ok. Qui est-ce qui protège en bas avec citrouille, épée, tout ce qui va bien? Attends, moi je peux. Ouais. Ensuite. Ah, il y a avec du stuff pour toi. Qui est-ce qui est constructeur qui va nous faire une tour de défense pour le dragon? Pas moi. Je sais pas, moi j'ai pas de. Je peux le défendre, mais je peux attaquer. Bon, mais bah, je peux m'en occuper alors. Je vais prendre de la pierre. De la pierre en masse et du gravier. Ah ouais, le gravier ça peut être pas mal aussi, ça se démonte à la pelle assez facilement pour faire des constructions mobiles. Ouais, et puis à la main aussi ça va assez vite. Ah, merci. Putain, le stuff de fou, on sent que tu l'as crafté toi-même.
Alors, tiens. Non, bah oui, écoute, attends. Alors... Manufacture helvétique. Effectivement. Non, mais là, je suis bien. Là. Mais c'est peut-être du made in China, en fait. Ouais, aussi. Gravier, de la bouffe, j'en ai pris. Faut que chacun prenne de la bouffe. Des citrouilles, tiens, t'es où, Jean? Par contre, il nous manque un carte. J'en ai un sur moi. Ah, ok. Tiens, citrouille. Merci. Tout le monde a une citrouille. Il y a la nourriture, quelque part. Non, moi, c'est bon, ça va. Elle est là, la nourriture. C'est marqué dessus. Oui, c'est vrai. Ah, mais vous y êtes déjà, en fait? Non. Là, on est dans le... Ah, ouais. Les melons. Je suis en train de prendre du stuff, là, pour préparer la tour de défense. Donc il nous faut au moins deux archers, hein. Je pense que deux archers c'est bien, pour qu'on puisse tirer sur trois à distance. C'est bon, moi j'ai des arcs. Ouais. J'ai des arcs, des flèches, et puis des arcs qui ont abondance, donc ça va. Parfait. Nourriture, j'ai... Pelle. J'ai deux à abondance. T'as pas une pelle sur toi, par exemple. J'en ai une à flamme. Une pelle, non, j'ai pas ça. C'est à qui ce stuff, hein. Bon, je vais prendre quelques flèches au cas où. Une pioche, ça peut être important. Des flèches. Et là, j'ai lancé 64 flèches par terre. Ah, merci. Et il faudra penser à enlever tous vos game mode machin là, tout god. God. Mais je suis le seul en game mode. Ok. Cheater. C'est clair. Oh le cheater. Mais il n'y a-t-il pas dans le coin le moindre minecart disponible? Mais il y en a en bas. Ah, il y en a dans le coffre en bas. Comme ça. Hop, tout un tas de pelles, ça a viré. Bon, bah, je pense que Par contre, je crois que quand on pop dans le nether, on pop sur une plateforme qui n'a pas vraiment de portée. Ah, ça y est. Je me suis refermé. Non, je crée juste l'épée de Dieu. Je l'ai appelé comme ça. En fait, c'est un putain de cheater. Ouais, parce que l'épée, elle lance des éclairs. Voilà, je peux utiliser ça. C'est très pratique dans une autre dimension. Le dragon, ouais. Il va faire une minute, même pas. Non, utilise pas le truc comme ça. Utilise pas Jordo, c'est le mal. Donc, oui, Jordo, c'est le mal. Oh, on se le fait à l'ancienne. L'ancienne version 1.3. Il y a des pains là-dedans, moi je suis un voleur de nourriture. Ouais. Bon, bah voilà, je pense que je suis pas mal là, niveau stuff. Bon, on se retrouve en bas au niveau du départ. Tout le monde a ce qu'il faut. Et... Affirmatif. Nourriture, matière première, ah, carte. Cartons à l'assaut. Carte, pourquoi pas. En fait, j'ai eu la mauvaise idée de prendre le portail du Nether, je me retrouve à 300 blocs. Non, pourquoi? En fait, c'est même pas à 100, mais bon. Bon, et puis pour les citrouilles, il faut les planter le long de l'eau ou même un bloc, ça suffit? Non, t'es pas obligé. Ouais, non, en fait, c'est simplement... C'est jusqu'à 4 blocs, à distance. C'est vrai qu'on peut courir aussi. Il y a un œuf d'os, là. Bon, bah, on se retrouve en bas, on y va. Je suis un peu lent. Bardège. Bah, prenez le cart et allez-y, de toute façon, on peut même se retrouver directement en face de l'entrée. Pour ceux qui ont stuff. Vas-y, JM. Ah, t'es en Dark Vador. Enfin, en... Merde, en garde. Ouais, en Stormtrooper. C'est pas les gardes impériales plutôt? Non, c'est les Stormtroopers. Les Stormtroopers. Storm. Ouais. Storm. Allez, cours. Storm, c'est Spitzitaïche. Attends, je cours après mon wagonnet là, voilà, ça va. Je suis juste derrière toi. C'était un magnifique bruit de craquement de micro. Ah bah il a disparu, Jean. Il n'y a plus que ton kart. C'est bien, ça bug pas du tout. Bienvenue en 1.3. C'est vrai, il y a plein de bugs avec la 1.3. Tu parles. Pas énormément. Enfin concrètement dans le jeu, il y a quoi de nouveau? Pas grand chose, j'ai l'impression. Juste les émeraudes. Les émeraudes. Ah oui, t'as essayé de poser un bois brut? Non. Bah t'essaieras, tu vas bien rire, enfin. Mmh. Ça a pas fait rire Jean. C'est passé quoi? En fait, d'habitude quand on pose un bois brut, il y a l'écorce, on le voit tout autour et saute dessus. On... Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je comprends pas ce que tu dis. Je vais te donner un bras brut. Non, en fait, si tu veux, il se place différemment maintenant. Il se place verticalement ou horizontalement. Ah, ok. Ah, tu peux avoir soit le comment la cime de l'arbre vers le haut ou vers le côté, quoi. Ouais, mais quand tu veux le faire en montant, faut que tu le sois au-dessus. Ouais, la cime. Donc ça, c'est fait de couille. Ouais. Ah, ok. Bref, tu on s'est compris. C'est pas mal, ça permet de donner de la couleur. C'est un peu chiant quand même quand tu veux construire. Mais genre, ils ont rajouté des émeraudes aussi. Oui, je suis toujours là. Non, t'es plus sur ton carte, c'est pas possible. Je suis. Sérieux ? Ouais, il y a un méchant bug. Bienvenue à 1.3. Je le voyais plus, Jean. Bon, alors on a qui ? On a Guetou, on a JM, on a moi. Et qu'est-ce qui manque encore ? On a Jordo. Ouais, c'est bon, je vous avez une citrouille pour moi, les gars ? Bah non, j'en ai qu'une. J'en avais que deux, de toute façon, j'en ai donné à Jean, je crois. Ok, ouais. Ça, c'est qui ça ? Jordo ? Il manque un killer alors. Ouais. Peut-être. C'est vrai qu'on peut courir. Bienvenue à Auschwitz-Birkenau. On a dit qu'on arrêtait de l'appeler comme ça. C'est comme ça que vous avez appelé, mais ça ressemble pas vraiment. C'est pas un camp de concentration, c'est juste une mine. Non, mais. C'était un crématorium. Les fours. Ah oui. C'est un peu glauque quand même. Enfin bref. Quelle belle visite nous faisons. Voilà. D'abord, t'as une magnifique fontaine, et puis après, t'as Auschwitz derrière. Bon, pas de blague, on y va pas tant que tout le monde n'est pas arrivé. Alors, chacun va se mettre à une extrémité, tiens, comme ça on saute tous ensemble. Waouh. C'est trop la fête. La dernière fois, Jordo était sauté avant. C'est un précoce. Ouais. Oui. Moi, j'ai perdu le jeu. On entend tellement la joie dans ta voix, DS. Ouais, je suis en train de crever. Alors que l'on rappelle un peu les rôles de chacun, donc qui est-ce qui s'occupe de péter les tours, soit à l'arc, soit avec des tours de sable et à l'épée ? Moi. Moi. Non, moi. Moi aussi. D'accord. Ensuite, qui est-ce qui protège au sol et qui fait attention aux Ender machins ? Moi. Ok. Et ensuite, donc moi, je m'occupe de construire la tour. La fameuse tour finale pour tuer le boss, donc dès le début je trouve une tour à peu près tranquille et puis je la construis. Mais par contre il me faudra une citrouille hein, alors si je dois défendre en bas. Oui, je te la donne un. Ok, ça marche. Bien, ah ouais, bah, je vais faire quelques marches, tiens, ça sera plus joli. C'est important de voir. Alors, ça c'est du gravier, cobblestone. C'est moi ou le jeu il est lent? Non, moi bienvenue il va bien. À 1.3. La blague récurrente, bienvenue à 1.3. Vous avez demandé un jeu stable ? Bienvenue à 1.3. Avec encore plus de bugs et plus de rage quit. Rage quit. Voilà, moi je me suis fait des belles marches. Alors qu'est-ce qui a sauté déjà ? Personne. Et tout. Non, je suis pas sauté. C'est quoi les flammes qu'on voit ? Quelle flamme ? Tu vois pas les flammes au milieu du bassin hein, pour aller vers l'end ? C'est un portail vers une autre dimension. Bah les flammes elles y étaient pas avant si. Si. Putain, j'ai jamais regardé en fait. Ouais, c'est quoi Jordo ? Ah, oui, désolé. En train de faire son épée de chuter. Ouais, masturbé. Ah, tu vois les flammes elles sont plus là donc je pense que quelqu'un les avait mises. Ah, mais je sais pourquoi, attends. Quand tu jettes du stuff ? Non. Ah, c'était les flèches. Oui. Ouais, ok. D'ailleurs, t'as quoi, Killer ? T'es une espèce de halo, t'as pris une potion, non ? Ouais. D'accord. Donc, qui est-ce qui a pas de citrouille finalement ? Moi. Attends, je vais te la donner maintenant. Descends en bas. Descendre en bas. N'hésite pas. Peux descendre en haut dans d'autres dimensions. Descendre en haut. Merci. Bon, je descends sur le côté. Carte, je crois que ça va. Bon, bah ça m'a l'air pas mal. Hop. Allez, tout le monde avec un briquet. Pourquoi le briquet ? Ou la pioche. Je sais pas, il me faut une arme de guerre. On y est tous. Allez, un truc sympa dans les mains. Un lit. Pour Jean. Va voir. Pelle. Non. Bon, allez, à 3, on y va.
1, 2, 3, c'est parti. Magnifique page de chargement. Oula, alors vous poussez pas, voilà. Allez-y, chacun son tour. Qu'est-ce qui manque là? Jordo, il est pas là. Si, il est là. Si, ah ok. Jean, qu'est-ce que tu te fous devant moi? Excuse-moi, j'ai pas de pioche. Mais... Vous êtes en train de me massacrer là, les gars. Arrêtez. On vient à peine de commencer. Oh merde, j'ai oublié de l'enlever. Sauvez-moi, je vais crever. T'as oublié d'enlever quoi? L'espèce d'épée de dieu. Je l'ai en survival. C'est quoi l'épée de dieu? Ah bah attends, je vais te la passer si tu veux non, tester. Non, je veux pas tester, je veux juste savoir ce que c'est. Je mets, en fait, j'assigne une commande sur un objet, et à chaque fois que je clique, ça va faire la commande que j'ai assignée. Bah, par exemple, j'ai assigné l'éclair. C'est vrai qu'il en fait en sort. Ouais. Okay. Bon, moi j'avance. 2 secondes en créatif pour me la virer. Mais attends, mais vous avez construit dans l'end? Non. Bah c'est quoi ce bâtiment tout moche là, avec des flammes? Ah oui, une fois qu'on avait fait le dragon, je pense. Vous êtes sérieux? Attends, on va faire une aventure et puis il y a déjà tout construit et... Bah, je te le casse. Non, bah tant pis. Non, je vais le faire. Il y a déjà le portail en plus. Putain, il y a toujours cette vieille commande. Tant pis, je vais virer l'épée en fer. Bon bah on a gagné. Ah mais même les escaliers, ils se font à l'envers. Oh la blague. Attends, comment tu fais pour mettre des escaliers droits maintenant? Ouais, je suis en train de me faire agresser. C'est quoi ce délire? Ouais, je suis mort. Oh putain. Le dragon, il vient de m'agresser. C'est normal. C'est un truc de psychopathe. Non, mais en plus, là, il m'a fait voler à je sais pas combien de mètres de haut. J'ai perdu quasiment 10 cœurs, quoi. Faut attendre, tu attends qu'il vienne. Ouais, mais attends, qu'est-ce qui m'agresse encore? Tu mets un lit. Ça... Bah, je vais pas y arriver à rester vivant plus de 30 secondes. Allez, viens. Eh, il m'agresse encore, cet enculé. Hein. Et il te veut. Hein. Ouais, pourquoi moi? J'ai rien fait. Il te désire. Il aime ta tête. Ouais, mais moi, je l'aime pas. Moi. Il aime ta tête de Steve. Bon, finalement, j'ai pas commencé à construire la... Ouais, non, mais les escaliers, c'est moisi, quoi. Comment tu fais pour faire des marches, maintenant? Bah, tu peux plus. Bah, tu les mets à l'endroit. Mais non, je vois pas comment tu fais, en fait. Tout à l'heure, je les ai mises, c'est un tableau d'échelle, quoi. Les escaliers sont à l'envers. Ah non, celui-là, bah comment j'ai fait? Bah c'est peut-être quand le dragon m'a frappé, j'ai dû faire une connerie. Sûrement. Merci dragon. De rien. C'est toi le dragon. Ouais, faites attention de pas tomber dans le portail. Hein. Ouais. Oh zut, on a gagné déjà. Oh. Ça passe des choses, dis donc, sur ce serveur. Si vous voulez, je peux en faire spawn 3. Non, c'est vrai. 15. Un bon chiffre pour les dragons. Rappel, ne jamais redonner les droits à Jordo. Ça sera pas de deuxième fois. Non. Surtout ne jamais les donner à JM. Ah bon? C'est pire. Il aime les pétards. JM, il aime les explosifs. T'arrêtes de tous les agresser comme ça, Jean. Ouais, ils m'aiment, c'est eux qui m'aiment, c'est pas moi. Je crois que j'aurais jamais été aussi lent à fabriquer des marches de ma vie. Ouais, je pense que la 1.3 elle amène pas que du bon. Ouais, mais c'est pas ça fait 8 jours qu'ils l'ont sorti, donc pour l'instant ils ont pas encore eu trop le temps de corriger. Non, mais toutes mes marches se mettent à l'envers, comment je vais faire pour. Oh là. Quelle merde. Hein. Ça y est, j'ai enlevé toutes mes commandes. Voilà. Comme ça, au moins, ceux qui verront cette vidéo comprendront la tristesse dans laquelle je me trouve face à ce jeu. Voilà. Il est où le dragon? Oh merde, une jambe. Il est chiant, c'était normal. Heureusement que j'en ai deux. Il est où? Pourquoi il y a un lit? Bah, non, Jordan. Tu comprendras plus tard. Non. ne dors pas dedans. En fait, si, vas-y, fais-le. Yeah. Vous voulez voir ce que ça donne un multi-kill? Multi-kill. Les amis, d'ailleurs. Je vais en appâter un maximum, puis vous verrez. Appâter quoi? Mais tu vas mourir aussi, non? Vous récupérez non. Mon stuff. Je mourrai en héros. Et là, toi. Vous les avez pétés, les tours, en fait? Ils sont déjà pétés. Non, ils sont pas pétés. Et bon, faudrait peut-être y aller. Si. Et il est où, le dragon? Ah ouais. Tout à l'heure, il m'a agressé 2 fois, mais... Ouais, il est parti un petit en voyage, pour l'instant. Il reviendra sûrement.
je crois que j'enlève la citrouille parce que ça me donne mal au crâne. Ah, c'est mieux. Oui, j'en fais spawn une dizaine là, c'est sûr de ne pas les louper. Non, c'est bon. Ça doit venir assez injouable. Bonne chance pour venir trouver quand vous avez tapé le canon. On doit tous les taper. Oh putain. Moi je remène une petite meute avec moi. Et vous faites même des démarches classe et tout pour monter. Bah ouais, c'est important. C'est quoi ça? Attends, non, t'appelais pas. Ah non, j'en ai tapé un, désolé. Tu fais chier. C'est pas grave, y'en a qu'un qui me poursuit. Merde, il vient de tuer. Adieu. Yeah. Viens. Monstre kill. Ils ont tué comment? Ils ont pas apprécié le pouvoir du lit. Attends, j'en ai encore un. Que tu te mets dans un lit dans l'Ender, ça explose. Excellent. Suivez-moi, mes enfants. Eh ben, elle est bien cette mise à jour, dis donc. Ah, mais c'était déjà. Attends, bouge pas. Bouge pas, Jordan. Un jour, ils se sont dit, tiens, si on se mettait dans un lit dans l'Ender, et voir ce que ça fait. Dans le Nether, ça pète encore plus de blocs. Bon, bah voilà, j'ai fait les marches. Il y a plus qu'à trouver le dragon. Attends, Gaëtou, laisse-les-moi. Je l'ai vu un moment, il nous avait attaqué. Ah, bah alors voilà, il est revenu. Bon, j'ai foutu des torches autour. Ah, ouais, ça y est, je vois sa barre. Yeah. Sortir l'arc. Bon bah les gars, on monte sur la tour quoi. Ah mais s'il vient pas le dragon on... mais vous êtes sûr, de toute façon il va nous attaquer. Vous êtes sûr d'avoir pété toutes les tours? Oui. Ouais. Moi je suis en train de combattre de l'Enderman. Moi j'essaie d'aller le chercher. Dragon. Viens bibiche. Ma biche. Il m'a l'air bien noté celui-là. Ma bichounette. Petit dragon. Je veux dire qu'il allait... Il a l'air perdu, hein, le pauvre dragon. C'est chiant ce dragon qui bug là. Attends, il est où le lit, genre? Tu l'as mis où? Ah, il est là-bas. Suicide. Adieu, monde cruel. Ouais. C'est trop épique. J'ai plus le lit, hein, si jamais. Chier. Moi j'attends qu'ils viennent tout près de moi, puis je leur mets une grosse flèche dans la tête, ils aiment. Non, ils fuient après. Ouais, bah bon, ils c'est des êtres inférieurs. Bah après, ils reviennent, tu vois. Il y a la barre du dragon qui vient de s'afficher à nouveau. Il va me foutre dans le feu. Mais il y a déjà la fontaine pour sortir du niveau. Et il y a même l'œuf à côté. Putain, vous en avez tué combien des dragons depuis que le jeu est lancé? 40 000. La dernière fois que j'y étais, il y en avait 3. Non, oui, c'est vrai, je me rappelle encore. Tiens, moi je l'ai tapé sans le vouloir. Excusez-moi, j'ai tapé. Il y en avait une dizaine, mais c'était un bug. Il m'a attaqué. Ah, en fait, ils attaquent. Montez tous sur votre tour, parce qu'ils vous attaquent vous en fait. Je sais pas pourquoi, il aime pas GM. Mais vous l'avez vu le dragon là depuis tout à l'heure? Parce que je vois sa barre. Bah oui, il a pas de vie. Il a perdu de la vie. Mais il est où? C'est GM qui l'a touché. Putain, bien joué GM, t'as réussi à tuer un dragon qu'on voit pas. Je l'ai pas tué, je l'ai touché simplement. Bah disons qu'il est... il m'a attaqué, puis ben il y avait des Enderman autour, et puis je l'ai tapé en même temps. Ça fait exprès, quoi. Oh, il a fait une attaque de masse. Ah! Une arme. Qui veut gagner de l'argent en masse? Le pape! Ah, le v'là! L'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Ah, il est là, ouais, Gaëtou, on le voit. Il est où? Il était à droite. Bah, ah oui, il bug. Il bug? Oh merde. Ouais, même en 1.2, il bug beaucoup le dragon. Alors, dès qu'il a plus qu'un bloc, il s'arrête. Ah, il nous attaque. Ouais, je l'ai presque pas touché. Je lui ai mis une flèche. Ouais. C'est un combat tellement palpitant. J'avoue. En fait, on est à DCA. C'est qui l'a touché de loin? Ah bon? Je pense pas que ce soit moi, hein. J'ai tiré une flèche, mais... Ah, mais à Jordo doit ma gueule. Tu sais que tu vas mourir si tu continues. Il est tout, il est parti suicider, il bouge plus. Non, je suis là. C'est tellement épique comme combat. Bah, avant c'était Jordo qui se touchait, maintenant c'est Gaëtou. Chacun son tour. Je vais même pas poser la TNT. Il se touche en après, c'est temps. Peut-être à moi. Et il est là le dragon. Ah, on le voit, mais. 360. Il sait pas qui attaquer. J'arrive pas à le toucher. Ah, il arrive. Il a fait un joli 360. Excuse-moi. Ah, ça a toujours été la galère, hein. Tuer les dragons, tellement ils sont cons. Non, il est malin, il sait nous endormir. Une fois qu'on est endormi, il nous suit. Putain, mais qui s'amuse à tuer les Enders là, c'est Jean? Oui. Merci pour nous aider à tuer le dragon. De rien. Coucou, Enderman.
Oui, ils font un sandwich. T'as une torche, Néas? Non. Ah, dommage. J'en ai une, mais pour faire quoi? Casse le bloc et tu mets. Non, prends ta torche. Casse le bloc non, et non, fais pas ça. Mais non, mais t'es con, arrête! Ça sert à quoi? Je casse le bloc et regarde. Ding ding ding. Stupide, j'essaie de faire une plateforme plus haut. Ah mais vas-y, vas-y, on arrête. Tiens, je te... tu veux pas du gravier sinon j'en ai. Ah merde, il y a le dragon derrière en fait. Il est où, il est où? Passé. Ah, merde. Et il fait son petit tour ou toi? Il arrive, il va nous attaquer peut-être un jour. Ah mais non, il a fait un demi-tour, merde. Mais on lui fait peur aussi, c'est pas normal. Mais non, c'est... il va vers les deux autres qui tapent les Ender. Rejoignez-nous en haut de la tour, là, on va essayer de le faire. Rejoignez-nous. Ah, il nous fonce dessus. Ah bon? Ah. Ah non, il a foncé sur Killer en fait. Il l'a vu voler. Il est où aussi? Il faudrait peut-être qu'il vienne vers nous pour nous foncer. En fait, il m'a fait traverser des blocs. Ah oui, je le vois. Oh, Goitou. Tu l'as vu? Il est tombé de la tour. Elle était pratique la plateforme. Quel morne. Récupérez vite son stuff. Allez, vas-y, bande de pirates. Mais il est où son stuff? Il est en haut. Qu'est-ce que t'avais un bloc de d'herbe avec toi? Tiens, hommage à toi. Ah, JM est arrivé. Vous avez pas récupéré mon stuff? C'est pas une impression, pas. Mais je crois qu'il bloque. Hein. Non, il est pas bloqué en fait, c'est que... il est beaucoup trop loin, mais en fait, il est beaucoup trop loin, il avance, il fait ses demi-tours. Il est un peu attardé mental en fait. Regarde, quand on s'approche, tu vas voir qu'il se déplace en fait. Voilà. Quelqu'un veut de la TNT? Il est pas bugué. Avec une voix tellement sensuelle, Jean, ça donne tellement envie. Jean, reviens avec nous, non? C'est pas Jean, c'est qui? Quelqu'un en bas veut de la TNT? Ouais, mais je me fais attaquer. Qu'est-ce qu'il m'a poussé? Oh. C'est dit, bah, le dragon. Il a fait une attaque surprise. Ah, le salaud. Il l'a fait la Shtuka, il a tu fait. Tu vois, la je t'avais dit, il nous endort en fait. Depuis tout à l'heure, on l'attend, il vient pas, et puis pouf, d'un coup, il arrive. Quand on est tous en bas. Quelqu'un qui a pu récupérer mon stuff ou pas? Eh, dis-toi, je me suis amusé hein, pour tuer les 4-5 les 4-5 dragons. Je sais pas, moi j'ai l'inventaire plein de TNT, mais je peux pas l'utiliser. Ah, il est là, toi, pour tes trucs. Bon, bah, plus de dragon. Il est en train de bugger devant moi, je l'allume. Il est arrêté en l'air. Bah, essaye de revenir à tous à la tour. Faut pour qu'il vienne là, à la tour, sinon ça sert à rien. Mais non, dès qu'il est trop loin, après il va. Il revient plus? Après il bug. Non, après il freeze. Non, il freeze pas, c'est tout simplement il est trop loin. Il... Allez, viens, Kekette. Il est là-bas. Kekette. Attaque en pique. Ouais. Oh, comment il s'est fait mitrailler là? Ouais, mais attends, le dragon il fait n'importe quoi. Il a même pas de logique dans ses mouvements en fait. Ah oui, Macarena. C'est toujours été comme ça. Des fois, oh, il fonce, il fait une attaque suicidaire. Ah, j'ai touché. Que ça touche. Yes, j'ai un stack de TNT. Allez, c'est la folie, les enfants. Je peux pas la poser. Oh, putain, c'est quoi ça? Modérateur en mousse, va. J'en ai 6 stacks. Tiens, j'ai volé. Eh, on est vraiment le dessert, là. De me lancer des flèches. Jordo, je suis franchement déçu. Ramasse-les, ramène-nous. Ramène-nous. Tu sais, je t'ai. Ramasseur de flèches. J'ai des arcs plus abondants, ça sert à rien de ramasser les flèches. Un Roland Garros. Ouais. C'est quoi le rapport? Là, tu le fais exprès, là. Non. Oh, arrête. Le rapport entre quoi et quoi? Roland Garros, les flèches. Eh, hey, mais oh, arrêtez, j'ai rien fait, moi. Putain, enculé. Ah. Oh, comment ça se passe? Sinon ça va partir en coup. C'est clair. Non mais arrêtez. On va jamais lui réussir à le tuer le dragon. Et cessez le feu, j'ai mes yogourts à côté de moi. Alors voilà. Ah ouais. Ah bah il est reparti. Il est reparti. Il s'est pris une flèche, enfin il... Ah bah oui, c'est Jim qui l'a tué. Attends, il y a aussi le petit halo de... Je sais pas ce que c'est, d'herbe, de vent. Quand tu tires une flèche, non? Ah non, c'est peut-être avec les flèches magiques. De quoi? Petit halo d'herbe. Flèche magique, de quoi tu parles? Je sais pas. C'est la drogue. Non, quand tu tires des flèches pleinement chargées, t'as un petit halo de lumière qui apparaît derrière. Non. Je l'ai eu. Si, si. Bah tire une flèche pleinement chargée, si on maintenant qu'il droit très longtemps. Je l'ai eu encore. Ton halo de lumière, je pense. Il est suicidaire, le dragon. Il s'est coincé sur la plateforme de ghetto. Pour moi, le reste, ça va être quelque chose. Qui
et tout. En fait, t'arrives et tout. Oh, j'arrive là, je suis dans le. Et t'arrives, Ghetto. Dans le Minecraft. Il va arriver à Auschwitz, Birkenau. Ouais, je l'ai 3, 6, 1. Je suis vraiment putain de mauvais avec ces flèches, c'est incroyable. J'ai envie de tomber dans le vide. Il se bloque le dragon. Faire un 3-6. Il en perd là de l'avenir. Ouais. Clair. Pas grâce à moi, mais. Eh, mais il est obstiné là. Là, il est énervé. Oh merde, il m'a fait tomber. Ah, c'est un énorme. Intelligence artificielle énervée. Ouais. Il y a plein de stuff en bas. La TNT. Ouais, c'est à moi. Ah, ok. Non, non, en fait, attends, je t'ai pas tout rendu, Ghetto. Mais je suis pas encore là, attends. Pourquoi t'as de la TNT? Oh, c'est pas moi qui avais la TNT. Ah, faut subir. Faut que j'interdis la TNT à Jean. Mais de toute façon, je peux pas la poser, c'est pourquoi de m'en interdire. Là, t'as la voix du père Foura, attends. La voix du père Foura. Une énigme pour vous. Bon, bah. Oh. Je ne peux pas utiliser la TNT. Bah, tiens, DS, tu vois Fort Boissard. Ouais. Il y a 2 heures, c'était un énorme trou. Ah, si tu veux, en fait, on peut le refaire, hein, tranquille. Faut 2 jambes, ça. Non, pas du tout. On recharge le backup et bien après, tu verras. Attends, je reviens. Yeah. En fait, je veux toucher l'Enderman, mais j'ai peur de toucher Killer ou Jean alors. Vous avez fait quoi de mon stuff, les gars? Bah, en fait, on l'a mangé. Il est là. Oui, je l'ai mangé. Et d'aubert. Si tu peux me passer un peu de bouffe, bah, j'ai presque plus rien, s'il te plaît. Ouais. Ouais. C'est tellement passionnant, le dragon, que j'ai eu le temps d'aller faire autre chose. Attends, je reviens, je vais vite aux toilettes. Puis après, je vais vite aller manger un truc, en fait. Je crois que j'ai 15 kilos de cochon dans le congélateur qui attendent d'être cuits depuis une semaine. Je vais me mettre un barbecue en place. Attends, il manque toute mon armure. Attention, il va avoir chargé de suite. Dragon. Alors, fais chier ton casque et tes bottes. Là, il est quoi? Dragon. 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 Non, c'est chiant d'être malade en plein été, quel enfer. Bon, il est où ce con de dragon? Attends, il y a encore ça, il y a pion, ça, hein. ça. Ah, mais t'as ça. Raison, en fait il bloque, c'est assez bizarre. En fait, c'est pas qu'il bloque, il est beaucoup trop loin de nous. Oh, en fait, punaise. Il bouge vraiment, mais nous on a l'impression que l'image est figée, mais en fait il bouge réellement. Je viens de me péter une 4e jambe là. Ah, moi ça, t'es la 3e, attends. Si tu vois ce que je veux dire. En fait, la vidéo est en cours. Tu vois de quoi je parle? Non. Pardon, Jordo, tu disais? La vidéo, elle est en cours, en fait? Ah ouais, ça filme. Ah ouais? Je pense que je vais même pas mettre de musique, rien, je vais la foutre comme ça, telle quelle. Ah, j'ai plus de flèches! Qui c'est qui a des flèches à me donner? Moi, j'en ai 2, si tu veux. J'ai un arc plus. Ah bah, Ghetto, tu peux lui donner un arc plus abondance, hein, s'il te plaît. Oh, moi, je suis vraiment con. Hein. Bah, non, je monte en haut de la tour. Comme j'ai l'habitude d'être en mode créatif, je saute. Bien sûr, je vole pas. Putain, mais il passe à côté, j'arrive pas à le toucher. Quel quichon je fais, ouais. Allez, viens, je t'attends, le dragon. Ah, mais non, mais. Arrêtez avec les flèches. Je peux pas le taper. Ah, j'ai plus de flèches, moi, je peux rien faire. Viens. Allez, viens, dragon. Dragon. Tiens, j'en ai. Il m'en reste 21, je savais pas si tu. Ah, ça, c'est gentil. Je vais peut-être. Ouais, recule encore. Ah, c'est bon, tu les as. Fais gaffe, je crois que ton bonhomme il est malade, hein, il est ouvert. Comment ça, ton skin est pourri? J'ai pas dit ça. Si je pouvais utiliser la TNT, tu sauras ce que je ferais. Ah, mais c'est Killer. Non, c'est le pape. C'est pas Jordo qui m'avait filé des le flèches. Le pape, hein, joue à Minecraft. Si, je t'ai filé des flèches aussi. Le pape joue à Minecraft, bah oui. Pourquoi il jouerait pas? Il a le droit. Bah oui, attends. J'ai tellement pas du temps chargé. Tu fais quoi, Killer? Je me projette contre mes ennemis. Eh, on a été rapide à descendre quand même, par rapport aux autres fois. Bah, je trouve pas, non. On est 5 Gugus plantés sur notre truc là, on arrive même pas à le toucher. Ah, il va mourir, ça y est. Ouais, on l'a eu. À moi, XP. Alors, ceux qui vont aller en dessous, ils vont se faire avoir. Pourquoi? On va se retrouver. Il va avoir le portail, ils vont être téléportés. Cassez-vous, c'est à moi. Ah, ça fait une petite musique toute douce quand tu les ramasses. On fait un complot. Bien. Je veux pas foutre la merde. Bien, on va les buter et puis après on va récupérer l'XP. Ah là, c'est. Non. Ah, les
enculé. Ah putain, barrez-vous. Ah, secours, non. Je suis en feu. Vous êtes pas loin. Et tout, tu m'as foutu en feu, ouais. Puis je suis... Je t'ai sauvé, DS. Un endroit un peu étrange. Je suis immortel, mode Dragon Ball Z. Jordo, est-ce que par hasard, t'as changé les spawns? Bon, en fait, on est tous immortels, ça sert à rien. Ouais, je l'ai changé, on tombe pas dans le vide. On est tous immortels, cherchez pas, on peut pas se tuer. Non, moi je suis pas immortel. Ah bon, ouais, il est mort. Et bon. Jean, il est immortel ou pas? Non. Ah bah c'est cool, on va tuer Jean maintenant. Bon, moi je sors les fuyers. On a toujours pas trouvé un mode Dragon Ball Z qui vaille le coup, franchement, ça pourrait être marrant, c'est faire des attaques de Kamehameha. En fait, moi je me suis un peu perdu. Vite, fuyez. Bon, allez, je me casse moi aussi. Kaito, il m'a projeté dans le portail. Et voilà, on a fini Minecraft. Et bah, c'était une belle vidéo. Je pense que les gens qui vont regarder ça, déjà, ils vont se dire putain, DS, il a une voix de merde. Ensuite, ils font des blagues racistes sur les camps de concentration et pourris sur. Et en plus, ils ont tué un dragon avec du stuff tout pourri donné par l'admin en mode god. Et bah, c'était une magnifique vidéo pour finir notre serveur Minecraft. Merci, c'est moi qui l'ai fait. Il était fait naturellement. Enfin. Ouais, naturellement. Ah, mais il y a une petite histoire et tout à la fin. Ah, ouais, je vois l'homme dont tu parles. DS, mais oui. Prends soin. Hein. Il peut lire nos pensées. Ah. Pourquoi tu brûles. Tu brûles ma propre. J'ai voulu te tuer, mais je me suis loupé. C'est quoi les coordonnées du village en fait? Je peux même plus arrêter le feu. Si, ils vont l'arrêter. C'est quoi les coordonnées du village? Moi je me suis un peu perdu là. C'est pas grave, fais ton ermite. Fais un TP, Jordo. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous l'avez lu l'histoire à la fin là? Ça a l'air bien. Alors, coordonnées Y73, Z33. C'est du léchage de cul, mais. X66. Là ils disent que je suis très fort. Le meilleur joueur du monde. Tu vois, même ça. En fait, au fond, t'es nul, tu sais. Mais ils osent pas te le dire. Quand je vois qu'on j'ose avait... pas lancer un éclair sur GM pour pas. On avait fini Minecraft en 4 jours la dernière fois. Sans tricher en plus. C'est vrai. Ah ouais, ça prend bien en feu. Non, c'est vrai, hein, quand Jordo avait pas les droits d'admin, on trichait pas. Je peux récupérer mon stuff, celui qui m'a tué. Please. GM. Il y a une hache, oui, j'ai une hache, c'est pas moi. Viens là. Jordo. Mm-hmm. Tu voudrais pas recharger le backup et puis nous foutre en créatif? Qu'on montre à DS ce que c'est que les joies de la TNT. Bon allez, je coupe la vidéo en tout cas, c'était DS pour la SS117 sur cette dernière vidéo sur notre serveur Minecraft qui va définitivement fermer. A bientôt. Ouais. A bientôt. Salut. Salut. Voilà, j'ai coupé la vidéo. Tu me rends? Yeah.